Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Le sujet du jour, vous le savez, depuis hier, nous en avons parlé, les quotients et avances élevées des maisons en Côte d'Ivoire. Ce sera donc cela qui nous rassemblera avec vous. Nos invités sont deux. Nous devrions normalement avoir quatre invités. Mais deux ont répondu à notre appel. Monsieur Soumaro Ben Mfali, vous êtes le président des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Et monsieur Blipaou Eric, vous êtes locataire de maison, voilà. Et avec vous, nous allons parler pour comprendre un peu le phénomène, savoir ce qui se passe. Et puis, pas forcément incriminer tous les propriétaires, parce que certains sont corrects. Mais ceux qui sont véreux, ceux qui se disent que c'est une bonne affaire, autant y aller, il faut y aller. Alors, depuis quelque temps, en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que de 6 mois de loyer, de caution, aux 4 mois, 6 mois maximum, hein, à l'époque, on arrive à 1 an, on arrive à 2 ans pour certains, voire 2 ans pour certains. Et on essaiera donc avec vous de comprendre le phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand ce genre de situation arrive, on se dit, nous avons 18 000 associations de consommateurs en Côte d'Ivoire qui ne réagissent pas. Et bon, ils sont là, juste de nom, ils ont des bureaux, ils sont assis, ils font rien du tout. On ne comprend pas. Et les locataires sont quelquefois, ceux qui sont confrontés à ce problème-là, sont livrés à eux-mêmes. Parce que je le rappelle, tous les propriétaires ne sont pas comme ça. Seuls ceux qui sont vers eux, donc, ont versé dans cette tendance. Alors, monsieur le président des consommateurs actifs, est-ce que le sujet vous paraît nouveau? Ou c'est un non. sujet auquel vous êtes très non, fréquent? Ça ne me paraît pas du tout nouveau. Nous avons déjà choisi et saisi les autorités depuis l'année dernière, notamment le Conseil économique et social, avec un document pour essayer de décrier ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, c'est un phénomène qui a commencé dans une commune d'Abidjan. Marcoury. Ramblé. Principalement. Et là-bas, ceux qui voulaient avoir une maison ont commencé à verser 1 an. Alors, ça a commencé comment? Non, ceux-ci venaient et puis, bon, écoute, peut-être avec l'argent facile. Hein, qui n'ont pas le même train de vie que nous. Et donc, ils versaient 1 an au propriétaire et puis ils ont la maison. Et donc, si vous êtes deux dessus et que vous voulez donner 3 mois avance, 3 mois caution, on donne à celui qui a donné 1 an et qui paye plus cher que vous. Donc, ce n'est pas un phénomène qui a été initié, c'est un phénomène qui a démarré à Marcoury-Ramblais. À Marcoury-Ramblais, ça, il faut le dire. Et donc, de Marcoury maintenant, petit à petit, les autres communes d'Abidjan ont été contaminées. C'est seul qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune à Abidjan où on ne vous demande pas 1 an de loyer. Alors, président, vous prenez quelque chose, un petit déjeuner? Oui, on demande, ça va venir. Ça non, va venir. Vous prenez quelque chose? Si. Ok, d'accord, elles peuvent venir. Ouais. Elles arrivent donc au nom du président des pâtissiers de Côte d'Ivoire, M. Yépié et son épouse que nous saluons. Alors, donc, l'affaire a démarré à Marcoury-Ramblais. Et donc, comme je l'ai dit, et puis les autres quartiers d'Abidjan ont été contaminés. Et nous, à notre niveau, en tant qu'association des consommateurs, nous avons saisi les autorités pour leur dire, au niveau des loyers à Abidjan, voilà ce qui se passe à Abidjan et certaines villes même. De l'intérieur. De l'intérieur. Okay. Et donc, pour faire des propositions concrètes, nous avons proposé aux autorités qu'on revienne à l'ancien système, et que 3 mois caution, 3 mois avance, donc ça fait 6 mois, au maxi. Ça dit qu'on peut en dessous de ça, mais au maxi. Et en même temps, essayer de fixer des plafonds par rapport au quartier. Une maison qui a été construite lorsque le paquet de ciment était à 1000 francs et qui veut appliquer le même prix que où le paquet de ciment est à 5500, 6000 francs, voyez-vous qu'on ne comprend pas quelque chose. Et ceux qui, à tout moment, veulent revoir les loyers à la hausse, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis saisi par des locataires, ça se fait régulièrement, on ne vient pas à la télévision pour annoncer,
nous avons toujours engagé des combats et nous sommes toujours parvenus à maîtriser la situation. Parce que la seule question que je pose aux propriétaires, est-ce que l'impôt a augmenté? Alors, on aurait dû avoir donc un propriétaire sur ce plateau et un juriste. Malheureusement, ils ne sont pas là. Alors, monsieur Blipao Eric, vous êtes locataire. Pouvons-nous avoir votre expérience? Partagez-vous l'inquiétude de certaines populations qui se voient remettre un papier pour dire un an, six mois, deux ans? Effectivement, déjà, je tiens à dire merci à la RTI déjà pour nous les locataires. C'est-à-dire déjà, nous, en fait, vous avez une association? C'est-à-dire, c'est une association de locataires. C'est-à-dire, en fait, le président des consommateurs est là. C'est vrai, il n'y a pas d'association de locataires, mais c'est comme si je représentais déjà. Exactement. C'est-à-dire tous ceux qui louent une maison. Bon, c'est l'occasion pour ces personnes-là peut-être de faire entendre leur voix. Donc, allez-y, racontez-nous votre l'expérience qui est vécue. Est-ce que c'est un sujet nouveau pour vous? Bon, en fait, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il faut dire que jusqu'à présent, on continue même, c'est-à-dire de chercher des maisons adéquates. Pourquoi je le dis? Parce que bon, voilà, tu cherches une maison, tu arrives là, le bonhomme, il te dit, bon, d'abord tu as affaire à une agence, moi te dis, bon, pour visiter, il faut donner tel montant. Tu vas aller visiter, arriver là-bas, on fait des affiches. Est-ce que ça s'est inscrit quelque part ou c'est un deal juste qui se fait entre... Les intermédiaires. Ce sont des intermédiaires. C'est des intermédiaires. On pourrait appeler ça les faux frais. Non, les faux frais, mais ça fait partie des faux frais. Mais je veux dire, le propriétaire inscrit sa maison auprès d'une agence. Oui. Sérieuse, on imagine. Oui. Et l'agence, donc, pour vous faire visiter, vous prend de parfois, l'agence aussi a des démarcheurs. C'est lui qui vous propose, lui se dit... qu'il est dans l'agence, mais lui, il est démarcheur de l'agence. L'agence, elle aussi, on a confié la maison. Vous voyez que déjà, pour voir même la maison, vous devez dépasser peut-être deux ou trois barrières. Et toutes ces barrières-là, il faut payer. Est-ce que je veux dire, bon, pour revenir à vous, M. Blipao, oui. Donc vous recherchez une maison, vous la trouvez, ensuite, on vous dit, il faut la visiter d'abord. Oui, pour la visiter, vous payez, je crois, c'est 5 000 ou 10 000. 5 000 ou 10 000. Ça, c'est quand c'est moins cher, c'est des 5 000 ou 10 000. Ah bon, ça peut... Ça, oui, parfois même, bon, c'est-à-dire, si le bonhomme voit que c'est sûr que tu vas avoir la maison, il peut te demander déjà, c'est-à-dire, un mois pour l'agence. Un mois d'agence. Puisqu'on paye toujours pour l'agence. Il représente l'agence. Voilà. Enfin, il est censé représenter l'agence, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il vous demande un mois d'agence. Oui, parfois. Et après, lorsque vous avez... payer un mois d'agence, vous faites face maintenant au propriétaire. Au propriétaire. Ou bien si tu n'as pas donné pour l'agence, c'est-à-dire tu vas donner peut-être la caution, l'avance, plus pour l'agence. Un mois d'agence. Voilà. La caution qui est... C'est-à-dire quand tu parles avec le propriétaire et que bon, vous êtes d'accord maintenant pour que tu rentres dans la maison, si tu n'as pas donné pour l'agence, tu vas donner pour l'agence. C'est-à-dire en plus de la caution et des avances. Est-ce que vous avez, vous, personnellement rencontré des propriétaires qui vous demandaient un an ou deux ans? Bon, vous avez eu écho? Oui, en fait, ce n'est pas que j'ai eu écho, mais le propriétaire même que j'ai eu, ça commence par là, il te dit un an. Il te dit six mois de caution. Et six quatre mois. Bon, il commence même par six mois d'avance. Ah, six mois, oui. Ils font double. Six mois de caution, six mois d'avance. Et quelles sont les raisons évoquées? Bon, on ne sait pas. Sérieusement, on ignore vraiment les raisons. Donc, quand c'est comme ça, tu vas discuter maintenant avec lui. Tu vas demander pardon, discuter. Bon, voilà, c'est un peu dur, Abidjan, comme ça. Puis, bon, il va te dire, bon, il faut donner 5 mois de caution et 5 mois d'avance. Plus pour l'agence. Vous voyez. Alors, nous avons donc, le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Nous partons en France, principalement à Nice. Et nous parlons avec Joachim. Bonjour Joachim. Oui, bonjour madame. Hello. Oui, je vous entends très bien. Écoutez, moi je pense alors, que... Alors je pense qu'on a un petit souci, lorsqu'il sera prêt, il nous rappelle. Oui, je vous entends très bien. On continue donc à parler avec M. Blipao Eric. Alors donc, vous m'entendez? Quand on dit un mois, au moins ce n'est pas fixe. On peut, je veux dire, parlementer, discuter pour arriver à des normes. C'est cela? Oui, bon, en fait c'est ça. Je dis, c'est pas fixe. Si vous ne donnez pas un an, vous disparaissez. Ah, bon. Alors, nous avons... C'est la flip. Nous avons... D'accord. Le téléphone est ouvert 22 42 58. Nous attendons vos appels, locataires, propriétaires. Alors, ce qui... on se dit bien, l'affaire a démarré à Marcoury. Si les propriétaires, ce sont tous... Enfin, quelques-uns, se sont tous mis dans cette danse-là,
N'est-ce pas aussi parce que les matériaux de construction ont vu grimper leur prix? Non, ça, on peut, ce débat, on peut le mener avec des nouvelles constructions. Ok. Mais les anciennes constructions, les anciennes maisons, on ne peut pas parler des matériels de construction. Si on vient sur ce débat-là, moi je pense qu'ils n'ont pas d'argument. Hein, pour celui que je l'ai dit, c'est au moment de construire votre maison, le paquet de ciment était à 1000 francs. Et aujourd'hui, le paquet de ciment est à 5000 francs. Alors, vous voulez fixer le même prix que celui qui a payé le paquet de ciment à 5000, 6000? Ce n'est pas normal. Moi, je pense que c'est parce que c'est le surpeuplement de la capitale qui provoque tout ça. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, moi dans mon quartier, vous levez vendredi, samedi, dimanche, vous trouvez une maison. Je veux dire, 10 ans, 15 ans en arrière, on n'avait pas cette population aussi. Il y a une démographie. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le surpeuplement. Je pense que c'est normal avec l'évolution. Avec, voilà. Mais moi, je pense qu'avec l'évolution, mais profitez, parce que le nombre de la population augmente et vous aussi augmentez le loyer, alors que les impôts n'ont pas augmenté. Et la plupart, certaines sont quand même malhonnêtes, parce qu'ils vont déclarer aux impôts que sa maison est habitée par des parents. D'accord. Alors que cela est archi faux. Nous partons à Bobo avec Monsieur Anza. Bonjour Anza. Bonjour madame. Allô? Moi je suis un propriétaire. On le reçoit difficilement, pas du tout pour dire. Allô? Allô? On ne l'entend pas. Monsieur Anza? Alors, voilà, donc 22, 42, 50, 58, pardon, pour vos avis et surtout vos témoignages et surtout vos propositions, comment, donc, je ne dirais pas lutter contre le fléau, mais apporter des éléments, des propositions, voilà, des solutions pour gérer ce problème. Nous sommes tous, tous frères et sœurs sur cette terre. Et demain, vous serez peut-être, pourquoi pas, vous aussi propriétaire. Oui. Est-ce que vous allez faire ça? Non, je ne pense pas. Étant donné que j'ai souffert là-dedans, vous je êtes pas sûr? Faire... Non, je ne vais pas faire souffrir quelqu'un comme ça. Vous non. êtes sûr de ce que vous non, dites là? Non, sérieusement, moi je l'ai dit. C'est parce que quelqu'un disait devant les faits, lorsque vous avez une maison, votre vision change. Hein. Vous pensez à rentabiliser automatiquement. Et moi, je pense que, comme vous l'avez dit au début de cette émission, ce n'est pas tous les propriétaires. Tous les propriétaires ne sont pas comme ça. Moi, je connais je connais des propriétaires depuis plus de 20 ans, ils n'ont pas mis 5 francs sur le loyer. Et je connais des propriétaires, lorsqu'il y a une crise, ils demandent à ses locataires. Voilà, je prends un exemple, la dernière crise que nous avons connue. Je connais des propriétaires qui ont dit aux locataires, non, ne payez pas ça. Le pays n'a pas travaillé, tout le monde avait des difficultés. Donc, ils comprennent, ils vivent la situation. Ils vivent la situation, donc ils disent, bon, moi je renonce. Et je connais un même, lorsque vous venez lui tendre votre argent à la fin du mois, il vous demande, est-ce que la famille a mangé? Oui. Est-ce que vous avez payé le sac de riz? Est-ce que, hein? Et puis il vous demande, personne n'est malade à la maison, il n'y a pas de problème d'ordonnance. Quand vous dites non, il prend son argent. Ce genre de propos, ce genre de personnes... Ils ne sont pas nombreux, mais vous êtes étonné de rencontrer, de savoir qu'il en existe. Bon, les propriétaires qui vous demandent, est-ce que votre famille, ça va? Est-ce que tout le monde a mangé chez vous? Bon, quelque part, je peux dire que je ne suis pas trop étonné, puisque ce sont des personnes aussi qui pensent à nous. C'est-à-dire le côté social humain qui pense à nous. Ce sont des gens comme nous. Ils voient aussi notre souffrance, c'est-à-dire nos difficultés. Et donc, je connais des propriétaires, c'est à partir du 30 qu'ils commencent à nous dire bonjour. Ils ont des familles, non? Oui, mais bon, il faut dire que c'est un être humain qui est dans la maison, là aussi. C'est clair. Hein, lui aussi, bon, il travaille plus pour avoir des propriétaires, c'est à partir du 30 qu'ils commencent à vous dire bonjour. 30 du moins. Là, ils commencent à vous saluer pour vous rappeler que... le 5 n'est pas loin. Alors, l'affaire n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Vous avez dans les pays voisins, c'est surtout dans les pays anglophones, en fait. C'est un système qui, je pense, les pays francophones, je ne sais pas l'expérience au Sénégal, ou au Sénégal, je sais qu'il y a une loi qui a... Récemment, bien sûr, pour que les loyers soient revus à la baisse, par rapport à pas mal de choses. Dans les pays anglophones, vous payez vraiment sur longue durée. Vous permettre de respirer et tout. Voilà. Alors, c'est peut-être ce système-là qui s'est déporté à Abidjan. Voilà. Ça n'a rien à faire. C'est ce système qui est venu. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités, malheureusement. Comment ça? Expliquez-nous. Non, on n'a pas les mêmes réalités. C'est peut-être que ces gens-là, Nigeria, les activités qu'ils mènent,
leur permettre d'avoir une somme un peu consistant, qu'il peut payer un an. La caution, ça veut dire qu'il faut donner quelque chose pour préserver l'acquis. Et donc, je pense qu'en matière de location des maisons, c'est de l'argent qu'il faut donner pour pouvoir préserver cet acquis. Allez-y. Voilà. Donc, nous n'avons pas vraiment les mêmes réalités. Et ils ont peut-être suffisamment d'argent pour pouvoir payer, mais nous, ce n'est pas le cas. La plupart des Ivoiriens, ils sortent le matin. Les pays francophones n'ont pas assez d'argent, c'est ça? En tout cas, en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas assez d'argent. On sort le matin, on va se battre pour revenir le soir, on met un peu à côté. Ouais. On dit, bon, à la fin du mois, ça, c'est le loyer. Sinon, le salaire, même en tant que tel, je ne connais pas. En fait, en Côte d'Ivoire, on vit au salaire. Et le salaire, quand vous prenez le salaire à la banque avant d'arriver à la maison, il n'y a plus rien. Merci. Alors, en espérant que ça se passera bien, nous partons au Burkina avec M. Patsouli. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Excusez-moi, cher M. Patsouli, depuis le Burkina. Oui, M. Patsouli, nous vous écoutons. Et ça concernant les loyers. C'est... Demain. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est partout. Concernant même au Burkina, c'est le problème que vous vivez? Oui. Allez-y, on vous écoute. Une maison, une... Allô? On vous écoute, M. Patsouli. Voilà, et lui, il dit que non, quand il sera propriétaire, lui, il va pas dire... Je pense que c'est pas le cas. Entrement en location, c'est eux qui augmentent le prix des maisons après. Ils vont dire que non, ils étaient dans ces cas. Donc, c'est la même chose que j'ai appliquée. D'accord. Au Burkina aussi, on vous demande un an, deux ans. C'est les mêmes personnes qui augmentent les maisons du jour en jour. Ok, d'accord. On vous a bien compris. Merci beaucoup, M. Patsouli. M. Patsouli qui doute un peu de votre sincérité quant au fait que lorsque vous serez aux affaires, lorsque vous serez donc propriétaire, vous n'augmenterez pas votre maison. Comme le président vient de le dire tout à l'heure. Bon, c'était juste son avis, hein, c'est pas grave. Cette information du Burkina quand même m'effraie que après Abidjan, d'autres pays voisins sont en train d'être contaminés par cette situation. Je pense que quand on va rentrer dans les propositions, nous allons prendre l'exemple du Sénégal et puis nous avons d'autres propositions aussi à faire à nos décideurs pour nous aider à remonter cette difficulté. Alors au Sénégal, la loi sur la baisse des loyers, donc c'est la loi du 22 janvier 2014, numéro 22 janvier 2014, portant sur la baisse des loyers. L'Assemblée nationale a légiféré sur le sujet. Parce que je vous dis, au Sénégal, où j'ai une belle sœur qui fréquente, elle est dans un studio qui coûte 100 000 francs. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. La maison seulement fait 100 000 francs, un studio. Et donc, mais c'est un studio comment? Parce que je veux dire, quand on dit studio, c'est un studio style américain. Si je vais à Djamé, je vais te dire entrée couchée. D'accord. Voilà, entrée couchée. Hein, pour nous, studio, c'est juste c'est une maison d'une seule pièce. Voilà. Et puis vous avez toilette, cuisine, tout, c'est fini. Donc ça fait 100 000 francs CFA. Nous partons en France avec M. Zatt, après le Burkina. Bonjour M. Zatt. Oui, bonjour madame. Oui, vous allez bien, Monsieur Zatt? Oui, je vais très bien, je vais très D'accord, bien. D'accord, on vous écoute. Si plus ce matin, ça va. Ah, ok. Allons-y, on vous écoute, Monsieur Zatt. Ouais, écoutez, je vous appelle suite au sujet. Parce oui, allez-y. Effectivement, à Abidjan, les loyers sont très très chers. Je pense que c'est l'État qui doit réguler. C'est l'État qui doit réguler parce que chacun fait ce qu'il veut et ça, ce n'est pas normal. Les gens, ils n'ont pas les moyens à Abidjan. Je pense que deux mois de caution, plus le loyer en cours, oui, ça passe. Mais six mois de caution, avec les revenus que vous connaissez à Abidjan, ce n'est pas possible. C'est l'État qui doit faire quelque chose. Donc quand le monsieur dit, par exemple, qu'il y a des propriétaires qui disent, oui, est-ce que la famille a mangé? Non, ça, c'est pas... Le propriétaire, lui, il loue son bien. Que le locataire ait les moyens que sa famille mange ou pas, non, ça, c'est pas le problème du propriétaire. Je pense que le loyer doit être respecté. L'État doit réguler, suivre tout le monde, et puis pour que tout le monde s'en sorte. Quelqu'un va parler prendre un crédit, acheter un bien, ou bien construire un bien, et puis dire, voilà, est-ce que ta famille a mangé, elle n'a pas mangé? Non, ça, c'est pas le problème du propriétaire. À la fin du mois, le locataire doit
voilà, assumer ses responsabilités, point barre. D'accord. Merci beaucoup, M. Zat. Pour la caution, je pense que c'est énorme. 6 mois de caution, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'immobilier en France et je n'ai jamais vu pratiquement un beau direct. Ça se passe comment en France? Mais en France, c'est 2 mois de loyer et le mois en cours. Et puis l'État même, des fois, il y a des domaines où l'État, ce n'est pas de garant pour vous. Il y a des associations, il y a des syndicats, il y a tout ce monde-là qui intervient. C'est-à-dire il y a tout un système pour que le citoyen soit à l'aise, en fait. Tout à fait. Soit léger de certaines charges. Le propriétaire comme le locataire, chacun doit gagner là-dedans. Ce n'est pas qu'on avantage un pour laisser l'autre. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je pense que c'est à l'État de faire, de suivre tout le monde. Ce n'est pas à chacun de faire ce qu'il veut. Mmh. Oui, que ce soit à Makori, ou au Deux Plateaux, ou à Yopougon, la loi doit être la même pour tout le monde. Mmh. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Ce n'est pas que, ouais, parce que c'est à Makori. Non. C'est l'État qui doit faire quelque chose. D'accord. C'est qui doit... Merci beaucoup, M. Zat. Merci beaucoup. Merci bien et bonne journée à vous. À vous aussi. Alors, il a dit des choses intéressantes. Il a dit que normalement, vous avez votre bien, vous construisez une maison. En même temps, ce n'est pas pour perdre aussi, hein. Mmh. C'est pour pouvoir, je dirais, prendre l'argent chaque mois ou selon votre récupérer contrat. Ce que vous avez investi. Récupérer ce que vous avez investi. Mmh. Mais il a dit quelque chose, il a dit que l'État devrait avoir un œil pour que les deux parties soient à l'aise. Bon, et le propriétaire et le locataire. Oui, mais dans la situation que nous décrivons ce matin, c'est la situation où certains propriétaires gagnent excédemment. Au détriment du locataire. Et il a dit que qu'un propriétaire demande si le locataire a mangé ou pas, franchement, bon. Ça, c'est. Bon, on ne trouvera pas 10. Vous ne trouverez pas 10, ça, c'est clair. Oui, non, enfin, j'ai dit ça comme ça, c'est pour dire que ce n'est pas tous les propriétaires des maisons aussi qui ne voient véreux, que de l'argent. Alors, nous revenons de la France, président, nous revenons en Côte d'Ivoire, principalement Cocody. Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour madame. Oui, nous vous écoutons. Très bien madame. Nous sommes, comme vous le savez, nous sommes tous préoccupés par cette situation. Et donc, voilà mon propriétaire qui me dit, monsieur, si tu ne payes pas ma maison un seul mois, je te renvoie sans toute forme de procès. Et qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire qui dit à un propriétaire de ne pas faire sortir son client quand il veut. Et là, je vois deux gentlemen sur ce plateau qui ne nous disent pas clairement les lois sur les maisons en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, j'avais une petite proposition par rapport à notre État. Voilà. Mais qu'il essaie de voir quand même au niveau des standings des maisons. Les standings des maisons. Parce que si je prends une villa à Cocody, moi j'habite Cocody. Si je prends une villa à Cocody, par exemple, de 3 chambres à salon, disons 4 pièces, on nous donne une fourchette et on nous dit, par exemple, une maison qui est en bois et qui est un studio à Vidicanal, qui est un studio en bois, est par exemple 5000 francs. Mmh. Et un studio en brique à Vidicanal, dans le même quartier, à 12 500, par exemple. Et comme ça, par rapport aux fourchettes, je pense que on peut résoudre ce problème-là. C'était juste ma proposition, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Alors, pour information, je rappelle qu'on aurait dû avoir un juriste sur ce plateau et un propriétaire. Mais nos deux autres invités, malheureusement, n'ont pas répondu à notre invitation ce matin. Nous constatons. Monsieur Pierre disait tout à l'heure... Et nous avons donc le président des consommateurs et un locataire. Donc, je ne pense pas qu'il pourrait nous donner des... Non, je pense que M. Pierre, ce qu'il a dit tout à l'heure, et qu'il y a un propriétaire qui dit, un mois de retard, je vous renvoie de ma maison. Est-ce que c'est normal? Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises, à Trècheville, à Djamé, pour des locataires où le propriétaire a décidé d'augmenter la maison. Et lorsque j'ai été saisi par ces locataires-là, et donc nous sommes partis vers l'huissier de la maison. Et l'huissier nous apprend effectivement que c'est pour augmenter, donc ceux qui ne payent pas vont quitter la maison. J'ai dit à ces huissiers-là, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire sortir ceux-là de la maison. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non seulement l'impôt n'a pas augmenté, et puis si nous allons au tribunal, je vais vous démontrer que
votre client doit même à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut, c'est important de le savoir. Mmh. Avant même de faire quitter quelqu'un dans votre maison, est-ce que vous-même, vous êtes en règle vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire? Par rapport aux impôts? Par rapport aux impôts. Et la plupart, la majorité, ces propriétaires qui ne payent même pas impôts, et c'est pour un oui ou un non, et qui dit que je vais vous faire sortir de ma maison, et ils vont initier, ils s'installent à son propre compte. Il n'est pas le juge. Pour qu'un initié fasse sortir quelqu'un d'une maison, il se réfère au juge d'abord. Mmh. Et le juge, avant de prendre une décision, vous, locataire, on va vous convoquer. Alors, nous avons mademoiselle Dibi qui nous appelle toujours de Cocody, je crois. Nous l'écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. En fait, je voudrais réagir par rapport aux cautions et autres affaires de l'intermédiaire. Allez-y. Parce que lorsque moi, je prenais ma maison à Angrais, le propriétaire n'était pas à la maison. Mais c'était le locataire, le voisin qui s'occupait de récupérer les cautions et autres. Mmh. Et il m'a fait payer l'agent d'agence. Genre comme si lui, il était l'agence. Le voisin. Le voisin à qui le locataire avait confié de s'occuper de prendre son agent chaque fin de mois. Et j'ai payé et la caution et l'agent de l'agence au voisin. Au voisin. Au voisin. Et cela vous a été remboursé? Non. Le voisin a-t-il un mandat spécial du propriétaire pour faire ses encaissements? Justement, le voisin, le locataire, il n'est pas au courant. Le locataire n'est pas au courant. Et c'est bon. C'est le propriétaire ou le locataire? Le locataire, le propriétaire n'est pas au courant que le voisin récupère l'argent de ceux qui viennent louer la maison. Il prend l'argent comme s'il lui Et qu'est-ce que vous avez fait? Je veux dire. Avez-vous relaté les faits au propriétaire? Bon, moi, on cherche une maison. En espérant, on cherche une maison. On avait vraiment besoin de cette maison. Donc, on est obligé de payer. J'ai payé au voisin. Et bon, comme il y avait un jeune qui s'était occupé de retrouver la maison, donc j'étais obligé de payer deux fois. Vous avez payé deux fois? Oui, j'ai payé au voisin qui se chargeait, qui était comme une agence, et le jeune qui avait trouvé la maison. Et en ce moment, vous êtes toujours voisin avec Oui, on est voisin. D'accord. Donc, ce sont des trucs qui arrivent. Et vos rapports, ça se passe bien avec le voisin? Bon, on a fait ça en fair play. On a fait en fair play. Bon, d'accord. Merci. On a tout compris. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la réaction des populations rapidement, et puis on revient à vos propos, président. Okay. La caution, ça veut dire qu'il faut donner quelque chose pour préserver l'acquis. Et donc, je pense qu'en matière de location des maisons, c'est de l'argent qu'il faut donner pour pouvoir préserver cet acquis. Vraiment, pour moi, la caution d'une maison, c'est comme une garantie pour les propriétaires de maisons. Ça permet aussi aux propriétaires de pouvoir au moins être sûr qu'à la fin du mois, son loyer sera versé convenablement. Depuis un moment, il y a une exagération. Non seulement de ces termes, mais des actes que les propriétaires de maisons posent. Je vois souvent dans les rues, on affiche caution 6 mois, 60 000 fois 6, avant 60 000 fois 9. Bon, tout ça là, je pense que ce n'est pas normal. J'ai été plusieurs fois locataire de maisons et je le suis actuellement. Et je sais qu'il y a toujours 2 mois de caution et 1 mois d'avance. Là, ça augmente seulement. On est venu, c'était 70 000. Maintenant, ils sont venus 80 000. On ne sait même pas comment on a fait. Alors que la maison, la même, non, ce n'est pas la peine. On souffre. On ne sait même pas comment on a fait pour manger même. Caution, c'est quelque chose qui est important, mais pour la population aussi, je pense que c'est trop élevé parfois. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir caution 3 mois. 4 mois, 2 mois. Moi, mon mari, jusqu'à présent, il cherche maison, mais on demande caution 6 mois. 3 mois de caution et puis 3 mois d'envoi. S'il n'a pas ça, on ne peut pas prendre maison. On est obligé de dormir au dehors avec les enfants. Une maison de 50 000, quand tu as la propriété, va demander au moins 6 mois d'avance et 6 mois de caution. C'est trop cher, ça nous fatigue trop. Les maisons deviennent trop chères à Abidjan. Les maisons sont trop chères. Les maisons, on lui a avant 15 000, maintenant, quand tu vas, on dit 25 000. Dans 25 000 là, vous devez payer au moins 4 mois de caution, au moins 6 mois d'avance. Les maisons sont vraiment coûteuses ici. Par exemple, quand vous voyez ce bâtiment devant là, la maison, le loyer peut coûter par exemple un studio, je vous dis à 70 000 francs. Tout que c'est un peu trop cher. Il y a les maisons, on demande caution 1 million. Tu as gagné ça où? Je veux qu'on diminue la caution. Ça revient en bas même. Parce que maintenant là,
on trouve que il y a trop de maisons, mais on n'a pas l'argent pour prendre maison. À cause de caution, 6 mois, 3 mois, ça n'arrange pas. C'est toi qui dois voir ça. Les maisons en Normand, au moins, si tu dois louer une maison, au moins 2 mois d'avance et 2 mois de caution, c'est bon. Je demande au gouvernement, n'est qu'à nous aider. Ils vont diminuer le prix. Les enfants là, vont à l'école, nous, on ne sait pas comment faire pour manger. Donc, on n'est qu'à diminuer le prix des maisons. Voilà, merci donc à notre équipe qui donc parcouru les rues d'Abidjan pour avoir les réactions des populations. C'est un sujet du moins qui touche tout le monde. Et la dame a dit qu'il faut que le gouvernement nous aide pour essayer de revoir ce sujet-là parce que c'est un sujet qui pénalise. Nous avons sur notre plateau un document tiré évidemment sur la toile qui nous a été rapporté par le président. Alors on ne dira pas le nom du propriétaire. Mais ce monsieur a décidé donc d'augmenter le loyer de sa maison parce que le SMIC a augmenté en Côte d'Ivoire. Il a précisé sur la lettre. Décision prise pour l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire par le gouvernement. Voilà. Alors, 5 000 francs. Ouais. Chaque maison devait connaître une modification de 5 000 francs. Chaque maison. Et il a précisé, il dit les maisons de 70 000 passent à 75 000. Et les maisons de 65 000 passent à 70 000. Voilà. Hein? Parce que le SMIC a augmenté. Et les maisons de 100 000, parce que ce sont chez lui, les maisons sont sur 70 000, 65 000 et 100 000. Donc chaque locataire devait s'apprêter fin janvier pour mettre 5 000 francs. Voilà, donc courrier qui a été envoyé. Manu Militari donc à ses locataires, oui. Parce que le gouvernement prenant la décision d'augmenter le SMIC pour aider les populations ivoiriennes, il s'est dit, ce propriétaire-là, voilà une bonne affaire pour nous. Donc, si on les aide, il faut qu'ils nous aident aussi. C'est ça. Et vous avez là en rouge entouré le motif de l'augmentation. Il dit « décision prise pour l'augmentation du SMIC ». C'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Il n'a rien compris. Évidemment, nous avons donc flouté son nom pour ne pas le livrer aux populations. Nous avons un téléphone, assurément. Nous avons quelqu'un qui nous appelle toujours de France. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Fofana. Bon, ben, excuse-moi pour le dérangement, mais au fait, ça fait un bon moment que j'ai assisté à vos émissions. Nous vous écoutons, allez-y. Ouais, ben, ce qui concerne le loyer en Côte d'Ivoire, c'est un abus total. Et quand on regarde qu'en Occident, que tout est réglementé, quand on dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que nous partons vers l'émergence en 2020, oui. Et que jusqu'à présent, là, ce genre de pratique encore qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment c'est honteux. Normalement, c'est le gouvernement qui doit prendre sa responsabilité. On sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Pertinemment, c'est vrai, ils ont construit des maisons, mais vous pouvez pas construire la maison aujourd'hui et puis avoir le bénéfice le lendemain. Moi, mon beau, il loue sa maison. Il est à Yopougon. C'est un monsieur qui fait des faveurs à ses locataires. Et souvent, à chaque un an, il dit à un locataire, je sais que vraiment aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas facile, il lui laisse le loyer gratuitement. Chaque un an. Il laisse la possibilité à un de ses locataires de ne pas payer la maison. Pendant un mois. Et je vous jure que, madame, si vous ne me croyez pas, je vous donne son numéro, vous essayez. Mais il y a un abus en Côte d'Ivoire. Monsieur Soumaro, je vous remercie. J'aimerais prendre contact avec vous pour participer à vos émissions, pour vous dire que franchement, en Côte d'Ivoire, c'est lamentable, c'est honteux. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité. N'importe qui ne peut pas se lever en Côte d'Ivoire pour faire n'importe quoi. Quand vous dites que avant le gouvernement critiquait le gouvernement en place, aujourd'hui c'est la même pratique encore qui se passe. On sait que ouais, c'est pas facile, ils ne peuvent pas tout prendre. Mais par contre, il y a certains sujets qui sont primordiaux. D'accord. Merci en tout cas, M. Fofana. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. À chaque fois, je suis votre émission.
Vraiment, c'est un débat que vous devrez mettre en pratique. Pas 25 minutes ni 45 minutes. Mmh. On doit le faire peut-être 2 heures ou 3 heures d'émission là-dessus, pour que chacun puisse s'exprimer. Que les locataires viennent, que les huissiers, les faux huissiers viennent. Même à la justice, n'importe qui est huissier, n'importe qui est machin. Écoutez, mettez un peu d'ordre. C'est d'accord. C'est lamentable. On comprend très bien votre état d'âme, hein, vraiment, monsieur Fofana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fofana m'a remplacé aujourd'hui. Hein. Il a bien parlé. Oui, il a parlé à votre place, monsieur Bilba. Vous ne parlez pas, vous êtes locataire, vous avez peur. Non, en fait, ce n'est pas que j'ai peur. Mm. Mais déjà, bon, tout à l'heure, on vient de voir le reportage. Là. Mm. Vous avez vu les dames. Voilà, les locataires. Là. Mm. Bon, ce qu'ils ont dit. On a eu aussi un démarcheur. Les démarcheurs, quelque part, ils sont obligés de réagir. Enfin, le démarcheur que nous avons eu dans cet élément disait, oui, vous voyez ces bâtiments-là, les loyers sont à 70 000 francs, c'est trop. Alors, c'est le démarcheur qui le dit. C'est le démarcheur qui le dit, mais quelque part, il est obligé parce qu'il agit au nom du propriétaire, si je ne m'abuse. Mais normalement, le démarcheur, il agit au nom du propriétaire. Mm. Voyez. Et déjà, le démarcheur dit que 70 000, c'est trop. Mais il aura sa part dedans aussi. Quand il va avoir son 10 000, puisqu'il a au moins un mois. J'ai dit, il a un mois, le démarcheur en un mois. Cette maison, que je pense que doit être une maison de mon quartier. C'est quand il a dit 70 000, c'est combien de pièces? Il n'a pas précisé, mais c'est un studio. C'est un studio. Qui fait 70 000 francs. Comme au Ramblais. Mais quel genre de studio? Parce que quand on dit studio, aujourd'hui, il y a différents types de studios. Oui. Vous avez un studio type américain, c'est-à-dire vous avez un grand studio espace. Studio ivoirien, type ivoirien. Bon, le plus souvent, les studios... Le type ivoirien, c'est comment? Voilà. Type ivoirien, c'est une seule pièce. C'est-à-dire vous rentrez, vous couchez. Vous couchez, mais vous avez la douche, vous avez un point d'eau, vous avez la cuisine. La cuisine, voilà. Un petit salon. Non, ils ne font pas. Quand je dis un petit salon, j'extrapole, mais je dis un petit espace. Voilà. Juste pour mettre des déchets. C'est pas un petit balcon là, sinon. Et donc cette maison, si cette maison était située à Cocody, Angré ou Vimarcori, les gens, on allait prendre sans problème. Mais le quartier où ça se trouve, où moi-même j'habite, je pense que le propriétaire n'aura pas de parade, il va baisser. Parce que personne ne va prendre cette maison-là. Alors, vous nous avez dit qu'il y a une maison à Williamsville. C'est ça qu'on vient de nous montrer dans l'élément. C'est à 80 000, c'est ouais, ça? Oui, 80 000 et francs. Et personne n'a... Non, juste le bâtiment est fini depuis 4 mois. Ça y est, là, personne... Parce que le loyer est trop élevé pour la zone. Élevé par rapport au quartier. C'est à Williamsville. À Williamsville. Donc, vous aimeriez... Enfin, ça veut dire que selon vous, les coûts des loyers devraient... être différent selon les quartiers. Selon les quartiers, comme vous avez, M. Pierre l'a dit dans son intervention. Et je pense que chaque intervenant demande, il faut que l'État fasse quelque chose. Mm. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Et nous, depuis l'année dernière, nous avons remis un document au Conseil économique et social. Et ce sera donc juste après la publicité que vous allez donc nous dire ce qui s'est passé au niveau du Conseil économique et social. Restez en votre compagnie.